internes, nous avons décidé de faire des abris pour les déplacés internes. Donc des abris qui seront moins coûteux et qui va permettre en ces temps de saison pluvieuse là, de permettre à nos déplacés internes de pouvoir s'abriter et pour nos frères déplacés internes et travailler de sorte à ce que le Burkina Faso puisse se rénover. Si nous devons compter sur l'aide extérieure, nous pensons que ça va être difficile. Donc nous avons initié 5 hectares, ça ce n'est qu'un début, 5 hectares de maïs. Donc, on a répondu à l'appel du président Ibrahim Traoré. Nous sommes un soutien indéfectible du MPSR. Donc nous avons traduit notre reconnaissance au MPSR. Nous avons travaillé avec le MPSR et le président a appelé tous les jeunes Burkinabés à s'engager de tout bord, de toute association, à ce que nous puissions sauver le Burkina Faso par des actions concrètes. Et c'est pour cela, dans notre imaginaire, nous avons pensé à aller dans l'humanitaire, mais dans du concret. Le concret signifie d'être à côté des déplacés internes. Qu'est-ce que les déplacés internes veulent? Sur le plan sanitaire, nous pensons que nous avons fait l'acquisition d'une ambulance qui va nous permettre de faire des sorties sur les sites des déplacés internes avec des médecins, des infirmiers pour des soins. Et deuxièmement, nous avons initié l'abri pour les déplacés internes qui coûte très moins cher. Notre champ est situé à IPLC, une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou. Et nous comptons acquérir aussi des terrains vers Léo. Et je pense que tout membre du mouvement Sauvons le Burkina, ou tout sympathisant, et même les journalistes, eux venus nous aider à cultiver le maïs pour que nous puissions aider à l'effort que le président Ibrahim Traoré et le MPSR nous ont signifié du fait de pouvoir aider nos semblables. Je pense que nous n'étions pas dans le silence, mais nous étions dans le travail parce que à travers l'appel du président à l'arrondissement BVDP, nous avons eu à travailler sur le terrain et nous continuons à travailler avec l'autorité. Donc ce silence était dû du fait que beaucoup de nos éléments se sont enrôlés comme VDP. Donc on avait mis en stand-by certaines activités en attendant de voir sur quel pied danser.